Bonsoir Lorenza. Déjà, merci pour votre commentaire sympathique. Comme vous êtes assez sympa, je vais vous montrer l'intégralité du meuble que j'ai fabriqué. Donc là où nous sommes à l'arrière. Je vais m'écarter pour vous montrer. En fait, au départ, les meubles qui sont en dessous, je les avais déjà depuis maintenant, ils ont 10 ans presque, hein. Ouais, 10 ans. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai rajouté tout simplement un meuble qui fait le contour par au-dessus. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Si la caméra veut bien passer sans s'accrocher partout. Alors, déjà ici, en fait, là, il y a une astuce. Parce qu'en fait, quand je fais de la gym, j'aime bien avoir mon ordinateur. Et je pose mon ordinateur ici. Comme ça, voilà, j'ai un petit coin ou même de l'autre côté. J'ai une table, si je veux me regarder un film, bah voilà, je peux mettre l'ordi et regarder mon film comme si c'était une télé. Ensuite, là, ici, le coin-là, c'était le but, c'était de faire une séparation. Et puis, elle m'arrange bien parce que quand j'ai des choses, voilà, je veux grimper dans mon coin, bah, voilà, je vais poser tout ce que je veux ici, puis je le récupère de l'autre côté. Là, en dessous, je vais vous montrer. Hop. Donc là, en fait, c'est un gros tiroir que j'ai fait. Attention, il est long, hein. Voilà. Donc là, en fait, j'en ai deux. Comme ça, des petits coins. Hop là. Là, je me suis fait. En fait, ça, c'est ma petite marche pour grimper dedans. Parce que ça fait un peu haut pour monter. Donc là, j'ai fait une petite marche. Alors ça me sert à la fois de renfort et puis ça me fait des petits rangements en dessous. Là, j'ai le deuxième tiroir. Alors, hop là. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit bien. Donc, il est un peu long. C'était le but, c'était de pouvoir ranger un maximum de choses dedans. Hop là. Voilà. Donc, là, moi, je mets ma petite marche comme ça. Tac. Je vais vous montrer le reste. Hop. Alors, est-ce que ça va passer? Oui. Donc là, en fait, ça c'est de l'autre côté. Et donc moi, quand je suis dedans, bah, j'aime bien me poser. Hop. Ah, il y a mon chat, pardon. Pardon, Réglisse. Et en fait, voilà. Donc en fait, voici mon coin. Parce qu'en face de chez moi, j'ai une superbe vue. J'ai vue sur un étang. Et le soir, j'ai un coucher de soleil. Alors, c'est mon petit. Pardon, je suis essoufflée. C'est mon petit plaisir quand je m'installe. Ça me fait comme si j'avais une petite terrasse dans mon appartement. Je m'installe, j'ai le coucher de soleil, j'ai ma tisane à la menthe. Et pour moi, c'est du pur bonheur. Et donc, en fait, quand je me mets ici, je me pose. Bon, là, je vais pas déranger le chat. Mais voilà, moi j'ai ma petite méridienne. J'allume mon ordinateur, je me regarde un film tranquille. Voilà, alors en fait, ça je le fais depuis. Ça fait depuis le mois d'avril que j'ai commencé à faire ce coin. Ça a été long. Mais voilà, j'en suis contente maintenant que c'est terminé, que tout est peint et tout ça, tout ça. Je suis super contente. Alors, pour information. Si vous êtes intéressé pour apprendre, sachez déjà que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a pas mal de tutoriels pour apprendre à fabriquer des choses en carton. J'ai un site web allocarton.com et je propose aussi tous les mois des ateliers de fabrication de meubles en carton. Donc si vous avez envie d'apprendre, n'hésitez pas à aller voir faire un tour dans ma bio. Je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année et je vous dis merci à tous pour votre présence. Bonne soirée, bye bye!